Chers amis, je vous remercie de nous accorder quelques instants d'attention. Vous pouvez rester dans les galeries autour des œuvres. Je pense que vous entendrez correctement. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient s'asseoir, prendre la première place dans les bancs, nous n'en aurons pas pour longtemps. Il me faut tout d'abord vous remercier pour votre présence, vous remercier très chaleureusement pour votre présence ce soir, présence nombreuse pour rendre hommage à Jean Calvin. Cette année, le 500e anniversaire de la naissance du 1509. Nous avons déjà fait dans notre histoire des murs un grand nombre de manifestations, de conférences, d'opérations diverses. Et cet été, il était évident que ce temple de Saint-Étienne et l'association devaient proposer une exposition consacrée à Calvin. Et nous avons essayé de la faire de manière la plus originale possible, c'est-à-dire de proposer trois expositions pour le prix d'une. Les expositions restent toujours gratuites, bien évidemment. Trois expositions. La première, la médiathèque protestante a réalisé une exposition pédagogique. C'est Jean Calvin et la modernité de Dieu, dont je vous parlerai tout à l'heure. Evelyne Bidmeyer, l'artiste limousienne que nous ne présente plus, mais qui est à mes côtés ce soir, nous a proposé son regard sur Jean Calvin. Et mon collègue François nous a proposé un regard très original, très ludique également sur la personnalité de Calvin. Il me faut, avant toute chose, remercier la ville de Mulhouse qui nous a beaucoup soutenus dans cette opération, qu'il s'agisse par le biais du musée historique, dont je salue la présence du directeur M. Delaine, en accueillant et en maintenant jusqu'à la fin du mois de juin l'exposition de Calvin Godard dans ses murs à Saint-Basile-Gapol. Très grand merci M. Delaine pour votre participation. Également, donc, la ville de Mulhouse nous fournit un soutien logistique extrêmement important, qu'il s'agisse des supports, des fleurs et de l'éclairage de cette exposition. Donc un grand merci. Tous les élus de Mulhouse sont malheureusement ne peuvent pas être avec nous ce soir. Madame Vermeer est là, effectivement, j'allais le dire. Tous sont à l'Assemblée d'Akamsa, mais ils sont représentés par Mme Vermeer. Nous vous remercions de votre présence. Merci beaucoup. Il me faut également excuser le président de l'Église protestante réformée d'Alsace-Lorraine, le président Geoffroy Goetz, qui a été retenu à Strasbourg par les préparatifs de l'Assemblée de l'Union qui commence donc demain et dimanche. Excusez également le président du conseil presbytéral, Alain Jepouvoir, qui est retenu par 6 malades ce soir. Donc, on les excuse pour leur absence. Et je cède toute la parole à Le président du consistoire me signale que le président Goetz est remplacé par sa vice-présidente, avantageusement, bien sûr, par l'ex-président du conseil de la TPSD. Et je cède tout de suite la parole au président de la République ce soir, M. Robert, pour vous dire. Merci, comme je ne savais pas que je vais parler, je serai très bref. Simplement vous dire que la joie que nous avons d'accueillir dans cette architecture particulière, une exposition est aussi particulière, puisque à côté de tableaux historiques, les pédagogies qui permettent de resituer un petit peu dans une culture générale la vie, l'œuvre et l'époque de Jean Calvin,
l'exposition d'ordre historique dans un cadre architectural comme celui-ci. Je crois qu'il faut féliciter les organisateurs pour la manière dont ils ont placé les œuvres. Aussi bien les panneaux pédagogiques que les petits portraits de Calvin qui vous regardent, que les grands tableaux et que les autres tableaux des villes de Meyer. Ce qui fait que c'est une exposition où on ne regarde pas simplement un tableau pour le tableau, mais on est aussi toujours en questionnement, en dialogue. Je voudrais vous donner un exemple, parce que je pourrais le dire sur beaucoup de tableaux. En passant sur un graphe rapidement, j'ai trouvé que cette nature morte, sur la table de Bologna, était une sorte de Sainte-Seine permanente absolument extraordinaire. Et quand on sait ce qu'a été la question sur du pain ou des hosties, du pain ou des oublis, disait-on à l'époque de Calvin, sur l'image, sur le sens de l'image, sur ce qu'elle représente, sur ce qu'elle représente, on a là plus qu'une nature morte posée sur une table de communion, on a un ensemble qui fait réfléchir, et qui fait réfléchir à la question qui était celle de la réforme et celle de Calvin. Simplement, pour Calvin et la peinture de Meyer, ce que j'aime dire de cette peinture, et je l'ai écrit dans le catalogue, c'est qu'Edith nous invite toujours à fixer un point qui est le centre du tableau, disons le centre d'intérêt du tableau, mais à peu près pour tous ces tableaux, quand elle nous fait rentrer quelque part, elle nous invite tout de suite à en sortir. Et ça se voit par exemple magnifiquement sur ce Calvin sous la croix, avec le poids de la croix, mais avec aussi notre Alsace et la fête de la cathédrale de Strasbourg, puisque Calvin a passé ses meilleures années de sa vie en Alsace. Alors c'est un peu tout cela, mais évidemment l'artiste vient plus qualifié que moi pour parler de sa propre peinture et surtout de cette aventure de peindre Calvin, qui est presque un défi d'ailleurs. Et je vous laisse maintenant la parole. Pour le vernissage de l'exposition qui se trouve au sein de la Nécapole.
qui est donc une exposition d'art conceptuel. Roland Guilloudy qui dit que ça convient tout à fait. Effectivement, on a joué sur Calvin, sur le protestantisme, sur la théologie. Donc cette exposition, je pense que vous avez déjà eu l'occasion de la voir. Je suis très heureux de savoir qu'elle a été prolongée jusque fin août. C'est un très grand honneur. Donc je remercie les musées de Toulouse d'avoir bien voulu procéder à cette extension de cette exposition. Je suis très, très heureux. Je n'ai pas parlé de mon exposition, je vais juste vous dire que je suis très très heureux d'être associé à l'exposition d'Émilie Meyer. C'est pour moi une joie et un honneur. Je suis très très content qu'on puisse être exposé en même temps, presque au même endroit. Donc c'est pour moi une grande joie. Et je trouve son exposition absolument remarquable. Et la petite chose supplémentaire, c'est que cette exposition est présentée en même temps que l'exposition qui a été préparée par Roland Hoffmann, l'exposition pédagogique, mais elle est au-delà de la simple pédagogie. Du simple catéchisme, elle est extrêmement instructive et donc je félicite Roland pour cette action en particulier et pour l'ensemble de son œuvre musicale, alors que même il n'a pas encore quitté Strasbourg, il est déjà extrêmement actif, je ne sais pas comment ça va nous faire. Il mène plusieurs mais en même temps, c'est très impressionnant. Donc merci Roland. Merci, vous pouvez l'applaudir aussi. De Jean Calvin, j'allais dire de la pertinence de Philippe François, je sais que c'est très pertinent de quand même.
Je crois que ce que nous avons voulu dire avec ces trois expositions, et c'est le sens de la cohérence, c'est que Calvin n'appartient pas aux protestants, il n'est pas un goût, il n'est pas calviniste, pour le dire comme le disait Philippe Cotret, Bernard Cotret, pardon. Il n'est pas protestant, il appartient au patrimoine intellectuel et philosophique de la France, de manière générale, puisqu'il s'agit de son apport à la langue, à la grammaire, à la rhétorique, mais aussi au régime des idées dirige encore aujourd'hui notre société. Donc merci à vous pour votre présence. Madame Bermond, on me souffle de vous proposer la parole si vous le souhaitez. Vous n'avez tout a été dit. Merci. Donc il me reste à remercier un dernier groupe de personnes. Ce sont tous les bénévoles qui, pendant l'été, nous avons une réunion tout à l'heure, les bénévoles de l'association Saint-Étienne Réunion qui vont, à partir de demain jusqu'à la fin de du mois d'août, accueillir le public. Il y a en gros à peu près, comme le savoir, 20 000 personnes, 20 000 touristes qui rentrent dans ce lieu, et l'objectif c'est quand même qu'ils en sortent en ayant appris quelque chose et en ramenant chez eux une image extrêmement positive, non seulement du protestantisme, mais également de la vie de Mulhouse. Ça c'est quelque chose de très très important à nos yeux, très important, je le sais, également aux yeux de la municipalité. Et donc, un grand, très chaleureux merci à tous ces bénévoles qui vont nous aider à faire vivre ce lieu tout au long de l'été. Je vous demanderai de les applaudir. Et voilà, commencez à les applaudir. Sans eux, on a dit beaucoup bien de moi, je vous remercie. Mais sans eux, l'intérêt, c'est vraiment grâce à eux que je fonctionne. Il me reste une toute dernière chose à faire. Il me reste à vous inviter tous et bien au petit pôle de l'amitié qui a été préparé par l'association. Et vous êtes les plus chaleureusement invités. Merci à vous. Ah oui, mon président me souffle que la liste des accueillants et des bénévoles a encore de la place pour accueillir de nouveaux bénévoles, bien évidemment. Voilà. Donc on va retrouver